ça, on a la victoire, c'est ce qu'il faut retenir, mais pas avec la manière. On a bien joué le premier tiers, on a été intensif, on n'a rien lâché. Après, on s'est reposé sur les acquis, sur les deux derniers, essayer de privilégier le beau jeu. Mais on gagne pas si on shoot pas, quoi. Enfin, on marque pas si on shoot pas, du moins. Ouais, il y a eu trop de passes, c'est ça, et pas assez de tirs. C'est ça, pas assez de trafic, pas assez d'engagement devant la cage. Après, voilà, comme je dis, il y a la victoire, mais pas la manière. Second tiers, un peu mou, un petit manque d'intensité, comment tu vois ça? Pas forcément mou, mais on travaillait, mais pas de la bonne manière. On se brûlait sur des jeux impossibles et on négligeait l'efficacité, quoi. Et on perdait de l'énergie pour pas grand-chose, quoi. Dans le dernier tiers, bon, vous menez 3-1, et puis ce dernier but en cage vide qui est plus anecdotique, finalement. Libérateur, au final, dire que c'est bon, c'est fini. On va pas retrouver le même scénario que la semaine dernière. Donc... Voilà. Bon, puis ces dernières semaines, il y a forcément... un petit peu de moins bien, vous pouvez pas gagner tous les matchs, ça vous le saviez, hein, c'est un sûr. Rappel à l'ordre, c'est ça? C'est sûr, personne n'est invincible, un match peut se jouer en un match, donc faut voir à la fin, quoi. Il y aura Courbevoie dans 15 jours, est-ce que vous avez des indications sur cette formation? Personnellement, j'en ai pas. Après, on prend semaine par semaine, on travaille semaine par semaine, et on prend les matchs le week-end, on travaille fort pour l'équipe. On fait de la vidéo pour analyser comment ils se placent, comment ils jouent et on se focalise là-dessus. Enfin, est-ce qu'il y a de la fatigue qui s'installe puisque les matchs s'accumulent et vous avez livré une grosse bataille contre Rouen? Fatigue, je pense pas. C'est plus des acquis. Et c'est ça qui fait que le niveau, on a un peu l'impression que ça baisse parce qu'on a tellement démarré fort que c'est dur de rester au même niveau, quoi. Sachant que la fatigue s'installe sûrement aussi, mais je pense pas que ce soit le plus gros point.